Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog. Et aujourd'hui, on est au Swiss Sheep Farm, une autre ferme en fait. Bon, c'est une ferme, c'est une ferme touristique. On en a fait une la semaine dernière, donc on a visité. C'était quand même plutôt sympathique. On n'avait pas payé excessivement cher, on avait passé une bonne journée. On a trouvé une autre qui était un peu plus loin. On a dû faire une vingtaine de kilomètres depuis Pattaya. On a trouvé celle-là et puis on va vous faire voir un petit peu. Hein, ce qu'il en est, ça a l'air plutôt joli, tout comme ça. Voilà, il y a une attraction là-bas au fond et tout comme ça. Donc toujours pareil, on va aller prendre nos tickets, on va aller manger un bout. Et puis après, on va aller visiter ça. Puis on vous fera une petite compilation des meilleurs moments et des choses les plus jolies à voir dans ce Swiss Sheep Farm, par exemple. Bon voilà, on a payé alors 180 bahts. En fait, on a une remise. La truc bien me dit, si vous avez le permis de conduire, vous avez une remise. Et j'ai mon permis de conduire depuis début de semaine. J'ai fait valider mon permis français en permis international, donc 180 bahts, c'est un peu plus cher, hein. Parce que la dernière fois, on a payé 100 bahts, 100 bahts, ça fait 2,50 €, donc là, on a payé le double, quasiment. Bon, on verra si c'est mieux, je vais voir un petit peu les tickets, ici, donc 90 bahts, 9,9, 18, waouh, ok, donc, au lieu de payer, on va les clap. Donc au lieu de 180 bahts, on a payé, 180 bahts, quoi. Fin mot de l'histoire. Si j'avais, comme j'ai mon permis de conduire thaï, je considérais comme thaï. Si j'étais un foreigner, j'aurais payé plus cher. Voilà. Donc du coup, on a payé que 90 bahts parce que je suis thaï et qu'elle est thaï. Voilà. Donc sinon, c'est un peu plus cher pour les foreigners. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est pas mal. Allez, on va regarder un petit peu. C'est joli, hein. C'est joli. Ça fait un petit peu. Alors, j'espère que le stabilisateur va bien fonctionner cette caméra. Ça sera aussi l'occasion de juger un petit peu. Hein, est-ce que le stabilisateur de cette I4K... Oh, mais il y a un requin. Les dents de la mer. Alors, c'est toujours pareil, il y a un petit avion et tout. Il y a l'air d'avoir des choses à féliciter. Hein. Toujours pareil. C'est un peu près le même principe. Hein, que l'autre, on se retrouve avec une ligne de course. Ici. On va voir les canards. Petit bateau. Je ne sais pas où il va aller le bateau, mais... Pas loin. Ici, les moutons. Très joli, hein. C'est très très joli, hein. J'adore la musique. Moi qui me suis fait la saison 2 de Narco. Si vous l'avez vu aussi, c'est un peu ça. Hein. C'est sympa. Bon, ça fait très décor de cinéma. Oh, la mini, elle est terrible. Ah, je suis. Ouais, je gêne. Allez, je vais descendre un petit peu. Allez, on va aller par là-bas. Les petites ruelles, c'est joli, ça fait très... Vous voyez que les petites ruelles, on se croirait, hein, on se croirait vraiment en Provence. El Restaurante. Bon, on va aller manger un bout là. Allez, un peu. Des peluches. Petit chat de boutique, non. Le jouet. Ok, c'est pour les magnettes. Sympa, ça fait très petite boutique. Donc là, la blague voudrait... Code 9, Doc. Code 9, Doc. Là, vous pouvez aller manger, donner à manger au petit lama. I want to eat it first. Allez, have a restaurant here. C'est parti, dans le sens. Bon, je vous fais quand même la dernière petite ruelle. Hein. J'ai peur de louper quelque chose. C'est très... c'est les toilettes, forcément. Voilà, donc les toilettes sont là, si on vous demande. Oui, oui, voilà. Donc toilette pour fille, voilà, et toilette pour garçon. You want to go to toilet? No, yes, you are a girl, you need to go to toilet. Voilà, bon après on ira... Yeah. Ah, joli, hein, petite Vespa jaune. Bon, hombre, allez, je vous fais voir quand même un peu le resto, parce qu'on est quand même rentré, on s'est dit on va manger. En fait non, c'est un décor de cinéma, quoi. C'est joli, mais voilà, quoi, c'est... Peut-être qu'ils font à manger vraiment le soir, on veut au moins de faire des pizzas là, mais... Alors soit c'est tout du mytho, soit c'est tout du mytho. Bon, allez, on va aller là-bas, on a peut-être plus de chance. Bon, à noter, pour l'information, le restaurant est fermé. C'était le seul petit restaurant, c'était pas un décor cinéma, mais c'est fermé. Voilà, ils sont en vacances, donc maintenant il va falloir ressortir pour aller manger un bout, je vous dirai ça. C'est pas super pratique pour le coup, parce que... Alors après, bon, je sais pas le parc ce que ça va donner, hein. Je peux voir un petit peu, ça a l'air d'être sympathique, oui.
à voir, les animaux, truc, mais ils auraient été quand même bien de mettre un restaurant dedans. Ouais, l'autre restaurant était, l'autre parc était moins cher pour le coup, et il y avait un restaurant dedans. Comme ça, on vous dira un petit peu ce qu'il en est. Allez, on continue, je vous emmène au restaurant. Alors apparemment, il faut sortir là où on est allé, apparemment sur la droite et tout. Ouais. Je vous ferai pas un bon, plan, ça va, mais c'est bien, c'est pas loin. Bah, je vous fais voir. Bah, j'ai pas besoin d'aller. Vous voyez, on est sur le parking là, à l'entrée, et le restaurant apparemment c'est ça. Les soins. Bon allez, je vous fais voir maintenant qu'on est dedans un petit peu. Décor. C'est joli, hein, ça fait un peu restaurant quoi. En même temps. Ici. Ah, oui, des petites arcades et tout, ça a du charme. Après, ça fait pas trop italien, mais voilà quoi. L'idée est là, l'esprit. Moi j'ai pris une salade. Voilà, rien d'incroyable. À mon avis, on va plus s'attarder sur le parc. Parc. Plus s'attarder sur le parc. Les amis, c'est pas bon, hein. En fait, c'est tout fermé. Il y a un truc avec des pauvres lapins, ils sont pas là. Le truc là, bon, c'est pas ce que c'est, bah, y a rien. Tout est fermé. Il y a pas de, le parc devrait même pas être ouvert. Il y a rien à voir. Enfin, on a fait le tour. Bon, c'est joli sans plus, mais voilà. Donc voilà quoi. C'est le problème, c'est tout fermé, quoi. Il y a rien. Il y a pas de, y a pas d'animaux. Les pauvres animaux qu'on a vus là-bas, c'est, alors il y avait. 3 chevaux et 2 machins, donc on les a pas regardés, on a dit ouais mais bon on va zapper ça parce qu'il va y en avoir plus après, et en fait non, voilà. Alors le village est très joli, mais mais il n'y a rien à voir quoi, donc c'est un peu dommage, bah tant pis quoi, voilà quoi, on va continuer là-dessus, on va jusqu'en fin, je vais faire peut-être une vidéo en 4K, ce sera plus sympa avec cette lac, bon voilà quoi. Bon, malheureusement, voilà, on a fait le tour, on a fini. Ah putain, il n'y a rien, je suis écœuré. Non, ben voilà, alors le problème, c'est que, il n'y a pas grand-chose par rapport à celui qu'on a été la semaine dernière, celui quand t'as été la semaine dernière, où il y avait quand même beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus, pas d'attractions, mais beaucoup plus de choses à voir. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses, et le peu de trucs qui sont dans les cabanes là-bas derrière moi, eh ben c'est fermé, voilà. Donc du coup, ben, le parc, il paraît un peu à l'abandon. Ici où on a fait, voilà, on est rentré, on a fait un peu là, là, on était là-bas dans les maisons, machin, on était voir les animaux, les vieilles voitures et bah, c'est tout, voilà quoi. Donc bah du coup c'est plus cher et c'est moins bien quoi. Donc un bilan qui est quand même plutôt pas terrible. La musique est sympa,
entre la musique espagnole là-bas et colombienne et la musique ici. Donc bon, la musique est sympa, mais après, vous voyez, même l'attraction ici là, qui est là-bas, eh ben c'est du faux quoi. On peut pas monter dedans. C'est juste pour faire joli quoi, comme beaucoup de choses. Alors que ça passe joli, oui, mais qu'il y a quand même des choses à voir. Là, on a tout torché en putain, en une grosse demi-heure quoi. Donc c'était un peu décevant. Bon, je cache pas que à payer 180 bahts pour voir ça et payer 100 bahts l'autre, vaut mieux aller directement à celui qu'on a fait la semaine dernière au Pattaya Farm machin, chip. Voilà. Donc celui-là carrément à éviter, hein, y aller, bon c'est cher, le restaurant il n'y a pas, il faut aller dehors. Après, est-ce que les attractions vont être ouvertes, il y aura plus de choses à voir, ce sera pas mal. Oh, vous avez vu, il y a un Superman là-haut. Voilà, tout en haut, il y a un petit Superman là-bas qui vous regarde. Ta-ta-da ! Je sais pas ce qu'il fait là. Hein. Coco là, ben, je crois que tout le monde croyait qu'il était mort. Eh ben non, il est pas mort, il est juste là-bas. Voilà. Donc voilà, on a fini un peu cette journée, on va repartir un peu, bah, pas dépité, parce que bon voilà, on a quand même passé une journée, on a fait le tour. Je vous aurais quand même fait une belle vidéo en Full HD pour tester un petit peu bah, la qualité de cette Xiaomi i4K. Je vous ferai un... Il y aura un autre plan, donc vous le trouverez éventuellement dans la description, on le mettra en haut. Alors la description, il ne faut pas que je me trompe, c'est bien ici. Hein. On vous mettra un autre plan avec les vidéos qu'on a fait en 4K. Pareil ici, là, comme il fait très excessivement beau, hein, vous pouvez voir, hein, regardez un petit peu le ciel. Il y a un bel éclairage et tout, donc ça fera de jolies vidéos en 4K. Voilà, hein, pour avoir un petit sample. Et puis bah, des jolies vidéos en Full HD, ça permettra de juger un peu la qualité de cette caméra. Avant de faire la review, on vous dira voilà la review et voilà ce que ça donne un petit peu la qualité avec une journée. Au niveau du son, au niveau de l'image, c'est pas mal. Bien, prendre en compte qu'on n'a pas. J'ai pas pris le boîtier étanche. Hein, je suis pas très fan du boîtier étanche. Parce qu'après on n'entend plus rien, donc c'est pas terrible. Voilà. Bon bah voilà, on arrêtera sur ces plans-là. Personnellement, je vous le déconseille. Bon, sauf si vous avez envie, bah, c'est pas excessivement cher. Voilà. Attention, ouverture, lâcher des tigres dans les ruelles. Voilà, donc bon, bah, sauf si vous avez envie de vraiment de venir, vous n'avez rien à faire, ça peut être sympa, mais sinon, on passera un autre chemin. Hop, je vais voir un peu. Ah, on n'a pas vu ce qu'il y avait là-dedans. Oui, c'est juste intérieur. Il y a un joli robot là-bas. Là, il y a des manèges enfants. Là, ils vendent un peu de la bouffe. Voilà, quoi. Oh, un crochet. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez cette vidéo, comme toujours. C'est toi. Vous pouvez tout de suite. Hein? Tu vois? On va regarder ça. On va regarder le spectacle et je mettrai les images. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo, chers commentaires, pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, on finira sur ces images de. Je sais pas ce qui vous attend, mais apparemment, toutes les heures. Bye bye.